Bonjour à tous, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce dans Zelda Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti! Alors, le chemin manquant et c'est le sanctuaire de Sona Pano. Alors là, on utilise pour s'infiltrer, on vient s'extraire ici. Ici, il y a un coffre. Donc, on le bouge. On va aller chercher l'autre cube qui se trouve ici. Impulse des mouvements particuliers pour après pouvoir utiliser marche arrière. On fait pas, on bouge pas le cube sans raison. Hein. C'est pour après utiliser le pouvoir marche arrière. Donc là, on s'infiltre. Ensuite, vous allez sauter sur le cube et vous utilisez rétrospective. Moi, je dis marche arrière, retour arrière. Bref. Hop, et vous pouvez sauter et attraper le coffre. Voilà, première étape. Donc là, pareil, les mouvements qu'on fait là, c'est vraiment pour après utiliser marche arrière. Donc refaites les mêmes. Hein. Hop. On s'infiltre. S'extraire. Vous sautez sur le cube et vous lancez retour arrière, marche arrière. Voilà, ce qui vous permet d'atteindre la structure. Là, vous attrapez le cube avec emprise. C'est pareil, hein, les mouvements, c'est pour l'utilisation de marche arrière. Hop. Et c'est pour pouvoir vous infiltrer ici, tout simplement. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.